Bonjour, c'est Papy Tom. Donc, deuxième vidéo consacrée à Cubase. Donc, je vais rester toujours sur la batterie, parce que là, il y a du boulot. Mais, rassurez-vous, on va y aller mollo. Oui, dans le feutré et la grâce. Se méfier de nos nerfs, hein, parce que sinon, on a vite fait de... Et je pense qu'après mes vidéos Cubase, j'allais prendre un grand verre avec un grand grenache, un grand cigare. Bon, ce sont des références à des films cultes. À vous de me dire ce que c'est. Eh bien, on y va tout de suite. Eh bien, oui, nous allons recommencer la formation sur Cubase. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous n'allez pas comprendre celle-là. Hein. Donc, je vous renverrai sur la première vidéo. Alors, en premier, bien vérifier que votre carte son est assignée. Donc, ma petite flèche, je vais sur le haut-parleur de ma télé, clic droit, ouvrir les paramètres de son. Là, actuellement, je suis sur ma télé. Pas bon, je me mets sur mon audiobox. Voilà. Donc, sortie audiobox, entrée audiobox, c'est bon. On peut travailler. Donc, je vais rechercher mon dossier Cubase 2 que j'avais créé. Deux clics gauche. Et là, je vais chercher mon travail. Donc, Cubase, c'est là avec l'icône Cubase. Mais qu'est-ce que je m'aperçois dans mon dossier? Ici, que je vais noircir, j'ai des trucs, si vous voulez, qui ne servent à rien. Juste à remplir mon dossier. Donc les dossiers BAC, B-A-K, je peux les effacer. Alors, vous savez comment on fait, hein? Clic droit, supprimer. Que les dossiers BAC. Là, j'ai des dossiers audio et vidéo. Faire button, pas toucher. Donc, je clique deux fois sur mon Cubase. Ça charge. Et voilà. Attention. Et voilà. Donc là, ce n'est plus la peine que je fasse le même bordel qu'avant, puisque mon dossier est créé. Alors, je vais un petit peu raccourcir mes mesures, car au début, j'en avais fait 325, c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais aller, avec ma petite flèche, sur le triangle qui est ici. Et je vais rétrécir mon tableau. Rétrécir. Voilà, en allant sur la gauche. OK. Maintenant, mon tableau est rétréci, donc je vais enlever les mesures que j'ai pas besoin, car c'est juste une démo, hein. Je ne vous montre pas comment faire un morceau. Clic gauche, je reste appuyé. Je noircis tout le bordel. Hop. OK. Clic droit, je reste appuyé. Je prends ma gomme. Je lâche. Avec ma gomme, je clique gauche. Et voilà. Je n'ai plus que quelques mesures. Je reviens à ma flèche, clic droit, je reste appuyé et je vais sur ma flèche, je lâche. Alors maintenant, je vais revenir sur mes mesures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais sur mon petit triangle en bas à droite, clic gauche, reste appuyé. Et je cherche jusqu'à temps que ça me plaise. Non, ça me plaît pas. Ça, c'est pas mal. Bon. Et même, je vais virer des mesures encore parce que... Celle-là, on n'en a pas besoin. Clic droit, je reste appuyé, ma gomme, je lâche, j'efface. Clic droit, je reste appuyé, ma flèche. OK. Alors maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que, effectivement, j'ai mon pattern avec mes breaks. Je le mets par là, hein, pour gagner du temps. Voilà. Donc j'ai mon pattern avec mes breaks. Mais je n'ai pas de cymbale pour marquer la fin du break. Donc ça, par contre, je vais être obligé de la créer avec mon clavier. Toujours en MIDI.
Donc, je crée une piste MIDI. Ma flèche sur le rectangle gris, clic droit, je reste appuyé, ajouter une piste, MIDI, je lâche. OK, pour avoir une piste supplémentaire, la voilà ma piste MIDI. Toujours pareil, elle n'est pas assignée à la batterie, donc je vais le faire. Toujours dans le rectangle ici, routage de sortie, je clique gauche. Addictive Drums, je clique gauche. Le numéro 2 qui est ici, je clique dessus gauche. Je me mets en 1. Très bien. Donc là, par contre, le point rouge, je le garde. Puisque c'est moi qui vais déterminer, donc je vais enregistrer avec mon clavier. Donc là, il me faut un enregistrement. Donc, je vais partir sur un enregistrement. Je vais chercher sur mon clavier les cymbales que je veux. Je pense que je vais prendre celle-là. Allez, de toute façon, c'est qu'un essai. Donc, je me mets sur mon bouton rouge, je clique gauche et ça envoie l'enregistrement. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Maintenant, je vais voir si elle tombe vraiment bien sur le temps. Donc là, je clique droit, je vais sur mes ciseaux, je lâche, je coupe. Ah, j'ai coupé au mauvais endroit. Alors attendez, ça je vous l'expliquerai après. Premier ciseau, je coupe, je me mets là, voilà. Je reviens sur ma flèche. Non, excusez-moi, je reviens sur ma gomme. Tac. Alors je vous explique pas à chaque fois comment faire aller sur la gomme, les ciseaux, vous maîtrisez maintenant. Je noircis, double clic gauche. Voilà, ça m'édite ma cymbale. Maintenant, il faut que j'aille voir où elle est, ma cymbale. Ah, je l'ai vu passer. Elle est là. Alors, on peut voir ma cymbale, je vois avec ma flèche, qu'elle n'est pas bien sur le temps. Vous voyez, le temps, c'est celui-là, là, et elle est à côté. Je vais la mettre pile poil dessus. Toujours pareil parce que c'est du MIDI. Clic gauche. Je reste appuyé. Je me fais un petit rectangle. Je lâche. J'ai ma cymbale. Maintenant, il faut la quantiser ou quantifier en français. Je regarde ici. Là, je suis en 1 huitième. C'est bon. Je pourrais me mettre en 1 16e, 1 32, 1 64. Mais je me mets sur 1 huitième pour être sûr qu'elle tombe pile poil. Je vais dans MIDI et je clique, clic gauche sur quantifier. Et ma cymbale s'est déplacée. Elle est bien sur le temps. Donc tout va bien. Je l'enlève avec la petite croix ici. Donc je vais vous dire, c'est même pas la peine que j'en ai aussi long. Je reprends mes ciseaux, je la coupe ici. Je reprends ma gomme, crac. Ça va jusqu'à maintenant? On suit. Je vais ramasser les copies, attention. Hein. Alors, on va écouter. Moi, je ne mets pas depuis le début. Hein. Moi, je prends ma flèche, je vais ici, je clique et je démarre. Et ainsi de suite. Bon. Alors ça, vous faites ça pour tout le morceau. Un morceau, en principe, c'est 3 minutes 30. Donc, pendant 3 minutes 30, vous allez vous faire chier à trouver des breaks, des cymbales, des machins. Et c'est le jeu, hein, vous n'avez pas de batteur. Donc, alors, quand on est arrivé là, il va falloir faire un truc. C'est-à-dire, on va dissocier toutes nos pistes MIDI. Afin d'avoir la grosse caisse seule, la caisse claire seule, et ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer comment faire.
là, ce sont mes tomes. Je clique noir, je les mets dans le trou. Alors, pas là, hein, ni là, dans le trou, hein, faut bien les mettre. Ok, je vais les coller. Clic droit, je cherche mon tube de colle. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. J'ai déjà collé tout ça. Je vais faire pareil pour ma cymbale. Ma flèche, clic gauche, je reste appuyé. Bien sûr, il faut que je me cale pile poil. Hop, voilà. Et je colle. Et je colle. C'est le tube qui est ici. Je colle. Voilà. Donc là, j'ai une seule piste MIDI pour toute ma batterie. Une petite parenthèse. Ces trucs-là, là, cette piste-là et cette piste-là. Bon, elles servent pour la batterie. Mais pour mes enregistrements, on s'en fout. Je vais les rétrécir. Je vais au-dessus dans le livre, déplier, replier, je replie le livre. Je gagne de la place. Alors maintenant, je vais dissocier toutes mes parties de batterie. Je clique noir. Clic gauche, elle noircit. Je vais dans MIDI. MIDI. Clic gauche. Et je vais dans dissoudre les containers. C'est ça. Alors, je regarde, je dois séparer par hauteur de note et affichage optimisé. OK. Donc là, vous voyez ce qui s'est passé. Je vais enlever un petit peu ce truc-là. Ma flèche sous tempo, clic gauche, je reste appuyé, je déplace. Ça fait que maintenant, j'ai mes pistes pour tout de la batterie. La grosse caisse, seule, la caisse claire, seule, les tomes, les charlets, les cymbales. Donc ma piste MIDI de départ, où tout est dedans, je peux la mettre en mute. OK ? Maintenant, je ne sais pas à quoi ça correspond, cette piste. Je la noircis, je me mets en solo. Solo, au début, j'écoute. C'est ma grosse caisse. Je la nomme tout de suite pour ne pas l'oublier. Grosse caisse. J'écoute celle du dessous. Je me mets en solo. Je clique S. Par contre, j'enlève le S du dessus. Clic gauche. Hop, ici. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est mon charlet. Je le nomme. Double clic gauche. Charlet. Enter. Ouais, j'ai écrit Charlet ET à la fin, no good. Alors je fais pareil pour toutes mes pistes. Hein. Voilà, j'ai nommé toutes mes pistes en les recherchant une par une. Donc j'ai fini sur la cymbale, le S est allumé. Donc je ne veux plus être en solo. Je remonte tout au-dessus et je clique sur le S qui se trouve ici. Voilà, je reviens à zéro. Et là, je peux entendre toute ma batterie. Voilà, j'ai toutes mes pistes, mais je suis toujours en MIDI. Donc après, il faudra que je les mette en Wave pour les mixer et faire un mastering. On verra ça le prochain coup. Ce que je peux déjà voir maintenant, c'est que je clique sur ce petit rectangle là, il y a marqué « Ouvrir console ». J'ouvre. Donc ça, c'est ma table de mixage. Mais pour l'instant, elle ne va pas me servir à grand-chose puisque je suis en MIDI. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer pour vous montrer que ça ne sert pas à grand-chose? Je repars depuis le début. Je le fais défiler. Voilà. Je vais sur ma table. J'augmente ma caisse claire. Et il n'y a pas de différence de son parce que je suis en MIDI. Je pourrais en avoir une en allant sur ma table de mixage MIDI, mais on s'en fout pour l'instant. Donc, prochaine vidéo, mettre mes pistes MIDI en Wave. Merci d'être resté. Un petit Doliprane, un gros cigare avec un gros grenache, et à la semaine prochaine.
bonne nuit les enfants. Allez sagement vous coucher. Et faites de beaux rêves.